Toute la panoplie des plantes d'automne est là pour nous accueillir au jardin des plantes. Pour celui-ci, fin octobre, le feuillage est encore bien vert. Ce chêne a beau être réputé bicolore, comme il n'a presque plus de feuilles, on ne peut plus s'en assurer. Un frêne. Pin noir d'Autriche. Jolie bordure de chrysanthème. Nous allons nous diriger vers le pressoir, où il y a une exposition de chrysanthèmes et également de pommes anciennes. Un octopus, un monstre redoutable, nous guette dans le jardin. Astucieux de mélanger des choux aux chrysanthèmes. Ces brassicas sont magnifiques. Il y a encore de la verveine, mais elle jette ses derniers feux. Pénis cet homme. Parce qu'elle était sûre que... Le miracle, c'était elle est prise en photo, elle était spoilée. Vous aurez fait la ville. Oui, je m'étais promis de filmer les serres du jardin des plantes. Elles sont actuellement en travaux. Elles feront donc l'objet d'un film à part lorsqu'elles seront restaurées. Là, c'est le truc où il y a des pommes.
Ah oui, moi j'ai pas trop d'accord. Pas de doute, c'est la Normandie. Kiwi. Quel Normand n'aime pas le cidre ? Oui, j'en aurais pas cette année. Ils ont tout. La panoplie des coloquintes. Idéal pour Halloween. Panoplie pédagogique. T'as vu les trucs en bas ? Ça dure longtemps. Bah tout, on met ça en septembre. Oui. Septembre, octobre, et puis au premier jeu, juste au premier jeu du grand froid. Un peu plus loin, il reste encore quelques dahlias. Allons les voir en fin de floraison. Les serres avaient vraiment besoin d'un coup de toilettage. Elles recèlent ordinairement de belles collections de bégonias et également des Victoria Regina. Fuchsia.
Dépêchons-nous, le soleil décline déjà en automne. Les dahlias se trouvent près des volières. C'est un peu la fin pour les dahlias, dommage. Si on fait de la confiture de pétales de rose, je ne crois pas que l'on fasse de la confiture de pétales de dahlia. La remontée des roses à l'automne. La glycine est maintenant défleurie.
automne 2022. Nous allons faire un petit tour dans le jardin des plantes de Rouen pour examiner les chrysanthèmes mis en place à cette occasion. C'est la semaine de l'Asie. N'oublions pas que le Japon, c'est le trône du chrysanthème. Mais attention, ne confondons pas le Japon et la Chine. Il y aurait des grincements de dents. Que voilà des idéogrammes bien mystérieux. Il y a en France des étudiants qui s'initient au chinois. Moi, avec mes deux neurones, j'aurais bien du mal. Je leur souhaite bien du courage. Je ne suis pas arrivé pleinement au bon moment. Les chrysanthèmes ne sont pas encore totalement ouverts. Quand visiterai-je la bambouseraie d'Anduze ? Pour moi, ce n'est pas la porte à côté, mais c'est dans mes projets. Un panneau indique les méfaits des Français et des Anglais en 1860 qui ont brûlé, pillé, incendié le palais d'été de l'empereur chinois et ses merveilleux jardins. Voici ce qu'il reste aujourd'hui. Les palais européens du Yuan Ming Yuan. On se croirait dans les jardins de Versailles. Les chrysanthèmes rendent bien avec les bambous. Oh, je l'ai jamais vu, c'est très beau. Regarde la tablette, c'est une version de bambou. Piracanta, reconnaissable à ses épines. À proximité, le papillon, le célèbre papillon du Jardin des Plantes de Rouen, se pare de ses couleurs d'automne. Avec le réchauffement de la planète, les plantes grasses vont pouvoir se sentir à l'aise à Rouen, autant qu'au jardin exotique d'Aize, sur la Côte d'Azur. Bon, j'exagère peut-être un peu pour l'instant. Le beau Gingko biloba. À l'approche de la Toussaint, la nature se meurt progressivement. J'aime bien la première partie de l'automne, mais après la Toussaint, je n'aime pas trop.
Voilà autre chose, des Digitalis Lutea en plein mois d'octobre. Ces grosses pelotes sont bien amusantes. Ces dahlias et anémones jettent de belles notes de couleur. Un bananier. Combien de fois, enfant, ai-je admiré les oiseaux de cette serre? Quant à cet arbre étrange, il s'agit ni plus ni moins que d'un Pterocaria fraxinifolia du nord de l'Iran, du Caucase. Thank you.